Hello! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo sneak peek trailer, tout ce que tu veux, qui va vraiment pas durer longtemps. Je t'annonce que à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, nous sommes sûrement le lundi 3 avril et qu'à l'heure actuelle, je suis sûrement en train de ne plus avoir de poumons et de mourir à la salle de sport parce que j'ai décidé de me lancer dans le Bikini Challenge de Valérie Orsoni. Donc c'est son nouveau programme sportif qu'elle a lancé. Elle a fait pas mal de campagnes sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Moi, vous savez, Valérie Orsoni, c'est vraiment une personne que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, dont je vais essayer de vous parler encore plus sur la chaîne. Parce que bah, c'est ce que je suis, c'est un mode de vie qui me convient bien. Et du coup, elle a lancé son nouveau programme sportif de 4 semaines seulement pour avoir un corps bikini. Donc, je vais expliquer clairement moi mes objectifs. Je ne souhaite pas forcément avoir un corps bikini. Je sais que d'où je pars, je ne vais pas forcément avoir des résultats de bikini. Genre comme si genre, la meuf, elle se réveille, elle a des abdos dessinés, un fessier de folie. Non, bien sûr que non. Mais le but, je pense, c'est de me donner un coup de boost parce que j'ai perdu la foi, j'ai perdu la motivation. Je vais courir, ça c'est clair, mais j'ai besoin, en fait, moi je fonctionne beaucoup par challenge. Et j'ai besoin d'un challenge, et là je me dis 4 semaines, c'est que 4 semaines dans une vie. Ça va être dur parce que là c'est pas comme le body challenge où c'est en 12 semaines et que c'est une remise au sport progressive, etc. Là, elle a clairement dit, c'est chaud. C'est chaud, je vous mettrai dans la barre d'infos... le lien de son live Facebook qu'elle a fait par rapport à ça et le lien vers des articles de son blog. Donc clairement, qu'est-ce que c'est? C'est un programme sportif de 4 semaines. Donc 4 semaines intensives de sport, environ entre 1h et 1h15 de sport par jour. Sachant qu'il y a 5 jours dans la semaine avec du cardio et du renforcement. Et il y a 2 jours où c'est plutôt du cardio doux, je crois, avec du stretching. Mais j'ai décidé pour ce challenge et pour me motiver encore plus de filmer quelques morceaux en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant ce mois d'avril, une fois par semaine, donc sûrement, donc là on est chez vous, on est le lundi 3 avril, là chez moi on est le dimanche d'avril, donc je commence demain. J'ai peur, je suis dans l'angoisse. Tout à l'heure justement, je vais préparer mon planning pour bien mettre dans mon agenda, parce qu'une fois que c'est planifié, etc., c'est beaucoup plus facile pour moi, peut-être pour toi d'ailleurs, de suivre un challenge, n'est-ce pas? Et je vais vous filmer du coup quelques séquences, ce que je mange, etc., au fur et à mesure. Au bout de la première semaine, je vous mettrai ma première semaine en fait de Bikini Challenge en vidéo, donc sur la chaîne. Et je ferai ça du coup semaine par semaine jusqu'à la fin. Voilà. J'espère que ça va vous plaire de me suivre dans ce truc-là. Moi, ça me motive de folie. Voilà, je vais faire 4 vidéos du coup sur le sujet. Je suis super excitée, je suis trop contente. J'ai attendu qu'il sorte pendant tout le mois de mars son challenge. Je savais déjà depuis fin février qu'il allait sortir. Il est sorti officiellement... officiellement il sort le 3 avril justement. Mais moi je l'ai précommandé et du coup je l'ai reçu le 28 mars. Voilà. Mais comme ce week-end en fait j'étais à Paris, j'ai pas pu commencer avant. Donc voilà, avec toute la communauté des body challengeuses, des bikini challengeuses, des bootcampeuses et bootcampeurs, eh bien c'est parti. Et du coup, si vous voulez aussi nous suivre dans ce challenge, il y a un groupe Facebook, le body challenge et le bikini challenge. Je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. Je suis vraiment super motivée pour faire ça, je pense que ça va bien me booster. Et on verra bien. Donc dans ce bikini challenge, donc ce sont 4 semaines de sport intensif avec des challenges nutrition, donc un challenge nutrition par semaine. J'ai aperçu du coup celui de la première semaine et c'est pour ça qu'il faut que j'aille planifier mon truc après, pareil par rapport à ma liste de courses, etc. Donc, ce sera un challenge nutrition. Il faudra, je crois, supprimer de l'alimentation, faire une semaine en fait sans produits, sans viande et sans laitage. Voilà. Ce qui est facile pour moi puisque je suis déjà végétarienne, donc la viande c'est déjà éliminé. Les laitages, franchement ça va être facile aussi parce que chez moi en fait j'en mange pas. C'est plutôt quand je suis à l'extérieur que j'ai plus de difficultés. Donc ça va être en mode lire les étiquettes à fond. Et voilà, il y a un truc aussi assez marrant je crois avec des légumes. Je crois qu'il va falloir manger 20 légumes différents dans la semaine. Enfin bref, moi j'adore les challenges. Vous pouvez le commander si vous voulez au prix de 39,90€ sur son site lebikinichallenge.com. Et voilà, donc moi c'est la manière que j'ai choisi pour soutenir Valérie Orsoni dans son travail. Pareil sur Instagram, je vais être super active les filles sur Instagram. Donc suivez-moi sur mon Instagram, Mathilde3007.
C'est là où je pense que je vous posterai également des photos. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine. Souhaitez-moi de la force sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Du coup, on sera le dimanche 9 avril. Voilà, dimanche 9 avril pour avoir mes premières impressions sur la première semaine. Si déjà vous me voyez dimanche 9 avril, ce sera déjà une force et ce sera déjà un grand pas accompli vers l'humanité. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao! Do it! Just do it! Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please.